Bonjour, je me présente, je suis Ludovic, le président de Dronavia, et aujourd'hui je vais vous expliquer le fonctionnement du système géocaching, comment configurer une cache sur son PC avant sa mission, comment l'importer sur l'application géocaching sur Thales, et ensuite comment configurer sur le drone vraiment l'ensemble géocaching. Et on vous montrera un exemple sur le Matrice 30, histoire que vous ayez toutes les étapes vraiment de préparation d'une mission avec système géocaching. Donc, le système géocaching, la première étape, c'est de configurer une zone de vol, et pour ça, on va utiliser un logiciel, Google Earth, dans notre cas, sur lequel on va vraiment déterminer la zone de vol dans laquelle on souhaite que le drone évolue, et surtout la zone qu'on souhaite que le drone ne quitte pas durant sa mission. Donc c'est vraiment très simple, on peut préparer toutes les zones de vol en amont de notre mission, on peut en préparer plusieurs et les importer sur notre tablette pour ensuite les charger au fur et à mesure, si on a plusieurs missions dans le temps. Donc, c'est assez simple, il suffit de configurer un polygone dans Google Earth. Donc pour ça, on a un petit outil pour configurer un polygone. Et on va placer les points qui délimitent la zone de vol. La surface de vol va se construire au fur et à mesure qu'on place nos points. Voilà, et vous pouvez configurer une zone complexe. Ça peut être un carré, mais ça peut être vraiment une zone très très précise pour éviter des objets ou des lieux que vous ne souhaitez pas survoler. On va donner un nom à notre zone de vol. Et chose importante, configurer une altitude par rapport au sol pour que cette surface en fait corresponde à un volume de vol. Donc dans notre cas par exemple, on va mettre 50 mètres par rapport au sol. Et là, on a la surface qui se détache du sol dans Google Earth. On a simplement à faire OK et on va avoir la zone de vol qui va être enregistrée ici dans Google Earth. On peut en enregistrer plusieurs. Et ensuite, il suffit de les exporter pour les réimporter dans le logiciel géocaching. Donc c'est assez simple, on fait un clic droit sur la zone de vol, enregistrer le lieu sous, et on va enregistrer au format KML notre zone de vol. Donc par exemple, zone de vol 001. Ensuite, pour transférer la zone de vol de mon PC vers ma tablette, on peut utiliser soit Google Drive, soit une clé USB, une carte micro SD. Dans notre cas, on va le faire avec Google Drive, c'est vraiment très simple. On prend notre zone de vol, on la synchronise sur Google Drive. Et ici, sur notre tablette, on va la retrouver directement dans le Drive sur la tablette. Voilà, j'ai ma zone de vol DNV 001. Ensuite, sur l'application géocaching, on va avoir deux menus principaux. Le menu cache et le menu vol. Le menu log, c'est pour consulter les logs de vol a posteriori. Donc ici, la première étape, en fait, c'est de charger une cache, d'importer une cache dans l'application géocaching. Donc on a simplement un bouton importer une cache. Ici, on va retrouver le navigateur de fichiers de la tablette. Donc si vous l'importez avec le drive, il faut simplement aller dans le drive, sélectionner la zone de vol. Si vous l'importez avec une clé USB, il faudra naviguer dans le navigateur de fichiers jusqu'à l'emplacement où se trouve votre fichier. Et là, j'ai simplement à cliquer sur mon fichier KML et je retrouve vraiment la zone de vol que je viens de configurer sur Google Earth. Et ensuite, pour les étapes suivantes, ça se passe avec le géocaching activé, configuré et branché sur le drone. Et c'est ce qu'on va voir tout de suite après à l'atelier. Donc voilà, une fois que vous avez paramétré la cache, exporté la cache via Google Earth et que vous l'avez importé dans le logiciel géocaching, il ne vous reste plus qu'à installer le module géocaching sur le drone. Donc le drone là, il est déballé, on a déjà préinstallé la partie coupe-circuit, la partie parachute si vous en avez un. C'est conseillé de mettre un parachute en cas de déclenchement de la coupure via le géocaching. Vous récupérez votre drone à l'arrivée, c'est toujours mieux. Et du coup, le module géocaching en fait, il se décompose en un module à placer sur le drone. C'est celui qui contient vraiment toute l'électronique géocaching, le GPS, etc. La contrainte, c'est le GPS doit être placé vers le ciel, évidemment. Donc là, dans le cas d'un M30, on va le fixer sur le devant, GPS dégagé vers le ciel. C'est livré avec des petits supports adhésifs Velcro pour pouvoir le monter et le démonter rapidement. Vous avez aussi un petit module, un dongle USB qui est connecté à la tablette. Donc ça, c'est pour faire le lien entre la tablette, l'application géocaching et le module géocaching qui est passé sur le drone. Et si besoin, ça c'est à acheter en supplément, c'est un adaptateur en fait. Le dongle est au format USB-A et sur notre tablette, nous on a un port USB-C. Donc simplement un petit adaptateur à connecter. Du coup, vont être fournis avec cet ensemble de modules un câble qui permet d'alimenter le module géocaching sur le drone. Donc là, le câble, il dépend de votre drone et nous, avec les produits Zephyr, on fournit le câble adapté en fait à votre modèle de drone pour alimenter le module géocaching
en vol. Donc du coup, la connexion elle est assez simple. Vous allez connecter le dongle sur votre tablette. L'application Geocaching va simplement vous demander si vous souhaitez utiliser le dongle avec l'application. Donc vous dites oui. Vous avez un statut de dongle déconnecté parce que actuellement le dongle est allumé, LED blanche, mais le module n'est pas encore allumé. Donc le module, vous le positionnez sur le drone. Vous venez connecter l'alimentation. Hop. Et vous venez le fixer. Donc là, avec notre support, on vient simplement le fixer ici. Donc là, on a un ensemble qui est prêt à l'emploi. C'est assez simple. Le module, il est appairé en atelier avec le parachute et le coupe-circuit, ou l'un ou l'autre, en fonction de la configuration que vous utiliserez en vol. Si vous volez simplement avec le coupe-circuit, le geocaching va communiquer l'info simplement au coupe-circuit. Donc en cas de dépassement ou d'approche de la limite de zone de vol qui a été configurée, le coupe-circuit va se déclencher. Et si vous avez un parachute, vous allez avoir l'ensemble qui va être activé en même temps. Donc pour le test, là, je vais vous montrer comment on va faire le déclenchement avec le geocaching au sol pour tester que la configuration est fonctionnelle et vous expliquer les étapes qui sont assez simples pour déployer le système et voler. Donc le déployer, c'est simple, on branche le dongle, on branche le geocaching. Ensuite, ici, on va allumer notre système parachute. Donc on a le bouton d'allumage, on va allumer notre parachute et on va allumer notre drone. Donc c'est le drone qui alimente le système geocaching. On va avoir un petit buzzer sur le parachute pour nous indiquer que c'est OK. Et ici, on va avoir une petite LED bleue qui nous indique dans quel état est le système géocaching. Donc en gros, on a un interrupteur. On va passer d'une LED bleue à une LED blanche. Donc LED blanche, mode opération. LED bleue, mode configuration. Et en fonction de l'état du géocaching, quand vous êtes en mode opération, vous allez avoir une LED jaune, une LED verte, etc. pour vous indiquer vraiment l'état du système. Donc là, à partir de ce moment-là, on va avoir ici un module qui est connecté. Donc on a au préalable, nous, importé la cage qu'on a créée sur l'application Google Earth. Donc là, la cage, elle a été importée. On est allé la chercher dans nos fichiers sur notre tablette. Donc on l'importe avec une clé USB, un drive, vraiment ce que vous souhaitez. Donc là, voilà, on a notre zone de vol DNV001 au format KML qu'on a exporté de Google Earth, qu'on peut ici importer. Ok, dans l'application Geocaching. Donc du coup, une fois que notre cage est importée, on va pouvoir l'envoyer avec le bouton envoyer sur le système Geocaching qui est placé sur le drone. Donc là, on nous demande de placer l'interrupteur en mode configuration. Donc ce que je vais faire avec la petite LED qui va virer au bleu, j'ai simplement à faire suivant, donc pour charger la cage dans le module Geocaching. Si j'ai un bip court d'une seconde, la cage a été correctement chargée dans le module. Je peux également, avec le menu suivant, donc le premier menu c'est vraiment l'import de la cage et le deuxième menu c'est tout ce qui concerne le vol une fois qu'on est opérationnel, prêt à décoller. Le troisième concerne les logs pour avoir accès aux logs de vol. Donc là, sur ce menu vol, on va avoir toutes les infos de vol. On va retrouver l'altitude max de notre cage, 60 mètres. On va retrouver la cage. Alors nous, on a une cage qui a été positionnée un petit peu plus loin que là où on tourne actuellement, mais on la retrouve ici. Et si le drone était en extérieur, on le verrait vraiment dans la cage, de manière à bien visualiser le bon fonctionnement du système et son bon positionnement. Donc là, on peut rester sur cette vue-là. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on peut tester les alarmes au sol. Donc les alarmes au sol, en fait, c'est la tablette qui va émettre des alarmes en fonction de là où situe le drone, s'il approche des limites notamment. Donc là, par exemple, mes alarmes sont configurées, mais assez peu audibles. Donc ce qu'on peut faire, c'est monter un petit peu le volume donc pour tester qu'on a bien l'alarme audio sur la tablette. Donc ça, c'est l'alarme attention, on se rapproche de la zone et après, on a l'alarme urgence où là, le système a été déclenché et le coupe-circuit a été activé. Donc ça permet de vérifier la configuration audio de la tablette pour écouter les alarmes. Et on peut vérifier aussi le coupe-circuit. Donc là, on a un bouton test FTS qui nous permet de tester le coupe-circuit. Donc on doit être en mode configuration, LED bleu. Et là, si j'appuie sur suivant, on va avoir un coupe-circuit qui va être activé et un parachute qui va être déployé avec l'alarme sonore. Donc là, on a un parachute factice sans la toile, mais ça vous permet de visualiser vraiment l'état du système. Donc le drone s'est éteint et on va avoir l'alarme sonore du parachute qui retentit. Je vais éteindre le parachute. Donc voilà, une fois le système éteint, on n'a plus qu'à redémarrer l'ensemble, redémarrer le parachute, redémarrer le drone et on est prêt à voler. Donc ça permet vraiment de tester le système au sol avant de voler pour vérifier que tout est opérationnel. Et donc une fois que les tests ont été effectués, on peut faire suivant, repasser le petit interrupteur en mode opérationnel,
Et là, on va pouvoir démarrer le vol. Donc, évidemment, en intérieur, on n'a pas de signal GPS. Donc là, on a un statut synchronisation GNSS qui indique qu'on n'a pas de GPS. Une fois qu'on a le GPS, on a le drone qui apparaît dans la zone. On a simplement à faire démarrer le vol. On a plusieurs checks. Communication avec la donne, vérification de la cage et connexion GNSS qu'on n'aura pas ici en intérieur. Mais du coup, ça nous permet de démarrer le vol. On peut ignorer ces étapes et démarrer le vol quand même. Une fois que vous avez démarré le vol, le système est actif et opérationnel. C'est-à-dire que si vous vous approchez de la zone, vous allez avoir des alertes sur la tablette tant que vous avez la connexion. Et évidemment, une coupure automatique en vol si jamais le drone, vous aviez un flyaway ou une perte de contrôle. Et à partir de ce moment-là, la tablette, elle est optionnelle, entre guillemets. C'est-à-dire que vous pouvez perdre la tablette, la station de sol est optionnelle. C'est vraiment tout l'intérêt du géocaching. C'est un système embarqué, donc la coupure, elle se fait de manière 100% autonome. Vous n'avez pas besoin de la tablette. Donc vraiment, dans cette configuration, on a un drone qui ne va jamais sortir de la zone de vol. C'est l'intérêt du géocaching. Vous avez des calculs balistiques qui sont faits en temps réel. Le système, il est préconfiguré avec le modèle de votre drone, sa vitesse max, son accélération max, la résistance au vent maximale. Et du coup, tout ça nous permet d'avoir en temps réel des calculs de trajectoire qui garantissent que le drone va rester vraiment dans la zone de vol qu'on a définie. Autre point intéressant, si jamais vous voulez utiliser le système de manière 100% autonome, donc par exemple sur un Matrice 30 où vous avez la station de vol autonome, où le drone est vraiment autonome et non à proximité d'un pilote, vous allez avoir le système qui est opérationnel dès le démarrage. C'est-à-dire que vous allez avoir le drone, dès que vous l'allumez, le système géocaching va s'initialiser. Et dans ce cas-là, à chaque décollage, le géocaching va vérifier la position du drone. Et on peut garantir que le drone reste dans l'enveloppe de vol déterminée, même en vol automatique, sans aucune intervention d'un opérateur externe. Donc la partie tablette est optionnelle dans ce cas-là. Mais tant que l'interrupteur reste en mode opérationnel, j'éteins mon drone, je le redémarre, mon système s'initialise, il capte sa position, et si le drone décolle et qu'il vient à atteindre les limites de la zone, on a un déclenchement automatique qui est effectué. Donc pour utiliser le drone avec un géocaching, les seules choses à prendre en plus dans la valise d'origine, c'est le boîtier géocaching que vous pouvez assez facilement ranger dans la valise, le dongle USB, un adaptateur si besoin et une tablette pour pouvoir utiliser l'appli géocaching.